Pour respecter le timing qui est serré dans une journée remplie, on va, si ça ne vous ennuie pas, reprendre nos travaux par la première table ronde qui est aujourd'hui dévolue aux maladies mentales et aux innovations médicales. Quelle technologie, quel développement ? Je suis désolée, c'est encore moi qui vais présider, mais ça ne sera plus le cas dans le reste de la journée. Vous m'aurez assez vu. Donc je voudrais juste commencer par faire deux points que j'ai oublié de rappeler tout à l'heure. Le premier, c'est que nous avons plein de personnes qui suivent sur YouTube les présentations et que donc on leur dit bonjour. Ils ne peuvent malheureusement pas poser de questions, mais on est très content de savoir qu'on est entendu à distance. Le deuxième point, c'est que tout est filmé. Et donc si vous voulez retransmettre ou re-regarder ou faire regarder autour de vous les travaux de cette journée, ça sera disponible sur un certain nombre de nos sites, j'imagine sur le site de l'INSERM, en tout cas avec certitude sur le site de la Fondation Fondamentale et je suppose sur le site de l'ANRT. Donc ça, c'était une deuxième information. Et la troisième information, c'est que nous publions aujourd'hui, co-signée par tous les partenaires de ce colloque, une tribune dans le monde, que je vous incite bien sûr à regarder, qui est en e-lecture et en version papier. Donc voilà, on est très fiers qu'il y ait déjà ce premier retentissement positif, on l'espère, pour soutenir l'idée que l'innovation en psychiatrie, c'est possible et c'est maintenant. Alors après ces quelques mots un peu généraux, je vais juste introduire très rapidement, avant de passer la parole à nos orateurs, cette table ronde, pour vous dire à quel point c'est important, à quel point ces progrès de l'innovation sont rendus possibles par l'accès à toute une série de technologies dont vous avez déjà entendu parler, dont vous allez entendre parler jusqu'à l'heure du déjeuner et cet après-midi, à savoir les techniques de l'imagerie cérébrale, des biomarqueurs, les techniques de l'intelligence artificielle, les techniques du numérique, les techniques de la stimulation cérébrale, bref, toute une série d'innovations qui ne sont pas que médicaments, mais qui sont plein d'outils, plein de techniques qui sont utilisées dans toutes les maladies et aussi dans les maladies mentales. Le deuxième grand besoin d'innovation, c'est la médecine de précision, dont on a déjà parlé tout à l'heure et qui fait appel à l'idée qu'on ne peut pas continuer à soigner tous les patients déprimés ou tous les patients psychotiques avec les mêmes stratégies. On a besoin de stratification et de ciblage des thérapeutiques. Et pour évoquer ces différents domaines, on a plusieurs tables rondes, la première étant présente ici, avec à chaque fois, tout au long de ces tables rondes, on a invité un académique, une start-up et un industriel pour nous décrire les principaux résultats, nous décrire les perspectives de développement et puis évoquer quelque chose que je ne voudrais pas qu'on passe sous silence aujourd'hui, qui sont les freins à cette innovation. On a un petit peu commencé à en parler au cours de la première keynote qu'il y avait tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, a besoin de notre aide, de notre prise de conscience pour qu'on essaye de lever tous ces freins. Alors, la première session s'appelle « De l'imagerie cérébrale à la stimulation cérébrale » et je vais donner la parole à l'académique de la bande, qui est le professeur Renaud Jardry, qui est pédopsychiatre, qui est professeur au CHU de Lille et directeur de l'équipe INSERM Plasticité et Subjectivité, et qui va nous démontrer qu'on peut identifier plus précisément, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, les patients répondeurs aux stratégies de stimulation cérébrale. Renaud, à toi. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais mettre le chronomètre tout de suite. Voilà. Donc, peut-être pour me présenter, donc je suis effectivement pédopsychiatre. Comme l'audience est pluriprofessionnelle, je voulais aussi rappeler que donc, j'ai fait un cursus en neurosciences où j'ai développé des compétences en imagerie, en stimulation cérébrale et aussi en modélisation computationnelle, ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter des travaux qu'on a développés un petit peu à l'interface de tous ces domaines et surtout de comment on est parti de questions qui pouvaient paraître très fondamentales au départ jusqu'à un retour vers la clinique. Alors, je vais centrer mon propos sur une question qui m'intéresse beaucoup d'un point de vue clinique, qui est la question des hallucinations et notamment des hallucinations pharmacorésistantes, parce que c'est un problème récurrent. Il faut savoir que les hallucinations surviennent dans énormément de pathologies. Elles ne sont pas du tout pathognomoniques d'un trouble psychiatrique. Et malheureusement, elles répondent parfois mal aux stratégies pharmacologiques classiques. On estime que dans la schizophrénie, par exemple, c'est à peu près un quart des patients qui seraient insuffisamment répondeurs aux stratégies médicamenteuses. Et donc, très tôt, on a voulu mieux comprendre la physiopathologie, mieux comprendre les mécanismes, et puis surtout développer des alternatives. Et parmi ces alternatives figure la stimulation cérébrale.
Alors, pour mieux comprendre, on peut utiliser différentes approches. Et ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont les approches d'imagerie cérébrale qui nous ont permis, au fil des années, de comprendre que, par exemple, quand une personne dit entendre des voix, eh bien, son cerveau réagit comme si elle entendait réellement des voix, avec, par exemple, ici à l'écran, des hyperactivations des réseaux du langage. Mais c'est vrai, quelle que soit la modalité sensorielle, hein, ce n'est pas forcément ces régions qui dysfonctionnent, c'est totalement modalité dépendant. Et donc, on a voulu très vite essayer d'utiliser ces résultats pour guider des thérapeutiques. Alors, juste une autre image pour vous montrer que ce n'est pas propre à la question du langage. On parle beaucoup de l'entente de voix, mais en fait, chez des personnes qui vont, par exemple, avoir des hallucinations visuelles, comme c'est présenté dans la partie supérieure de l'écran à gauche, eh bien, vous pouvez voir que les régions, tout le cortex occipital, par exemple, est hyperactivé. Alors, pour réussir à obtenir ces images, on réalise des examens qu'on appelle de l'imagerie de capture. Et en fait, au tout début, l'imagerie de capture, c'était assez compliqué parce qu'en fait, on était obligé de demander aux patients, alors qu'ils passaient un examen particulièrement stressant, hein, une IRM, de signaler son symptôme en temps réel. Et donc, le premier verrou technologique qu'on a voulu lever, c'était est-ce qu'on peut réussir à faire de la capture hallucinatoire sans utiliser cette méthode, en fait, qui place le sujet dans une situation un peu de double tâche, hein, puisqu'il a à la fois un symptôme qu'il doit gérer cognitivement, émotionnellement, et puis appuyer sur un boîtier réponse, qui est quand même, somme toute, assez compliqué. Et donc, après plusieurs années de travaux, on a réussi d'abord à se passer du boîtier réponse, et puis ensuite à automatiser la procédure grâce à des outils d'intelligence artificielle pour obtenir une signature physiologique de l'hallucination, savoir à quel moment, volume cérébral par volume cérébral, le sujet hallucine, hein, et avoir cette information en temps réel avec des cartes de décodage que je vous présente ici à l'écran. Et en fait, le souci du clinicien que j'étais, c'était bien sûr de montrer que ça marche, de montrer que c'est significatif, mais vous savez que la significativité, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant, hein. Ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est la taille de l'effet, c'est-à-dire savoir si ça va avoir du sens, pas simplement si c'est un peu mieux que la condition contrôle, c'est si ça va avoir du sens et si c'est robuste. Et donc, pour montrer que c'était robuste, il fallait, par exemple, s'assurer que c'était sensible d'un point de vue temporel, c'est-à-dire qu'on arrivait bien à décoder le début de l'hallucination quand le signal monte, comme vous le voyez au milieu de l'écran, ou la sortie de l'hallucination quand le signal descend. C'était aussi de pouvoir le répliquer sur des échantillons indépendants, donc pouvoir montrer que ce n'était pas un effet centre ou un coup de chance, tout simplement, lors de notre première étude. Montrer aussi que c'était spécifique, c'est-à-dire que vous savez que quand on vous met dans l'IRM, vous pouvez penser à tout un tas de choses, à vos prochaines vacances, à vos courses, à qu'est-ce qui va se passer après, etc. Et donc cette activité mentale-là, potentiellement, peut ressembler à ce qu'on essaye de détecter. Et donc il fallait s'assurer, par exemple, que si je vous fais imaginer entendre des voix, eh bien, on n'allait pas le détecter abusivement, ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Et donc là, on a réalisé des études qui ont permis de montrer que le décodeur était bien spécifique de l'hallucination et ne détectait pas l'imagerie mentale. Hein? Et donc, vous voyez qu'ainsi, de fil en aiguille, on a réussi à obtenir cet outil, qui est un outil qu'on peut utiliser en pratique clinique, et surtout qu'il est très spécifique, c'est-à-dire que, vous voyez ce petit pattern de pixels rouge et bleu, en fait, c'est l'outil, c'est la carte des poids qu'on va utiliser pour décoder l'hallucination. Et c'est très important parce que, en fait, cette configuration spatiale, ce pattern fonctionnel, il est spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mélange les voxels, par exemple, hein, je vais complètement perdre la capacité à détecter l'hallucination. Comme vous pouvez le voir, on passe de la courbe rose à la courbe bleue. Donc, les performances de l'outil se dégradent très, très vite. Et c'est cette spécificité spatiale et temporelle qui fait qu'on est aussi précis. Hein, et ça, on a pu l'obtenir grâce, en fait, à de très larges quantités de données qui ont été accumulées au fil des années. C'est pour ça qu'il nous a fallu à peu près 10 ans, hein, pour arriver à ce résultat. Donc, vous voyez que, bien sûr, il y avait un verrou qui était un verrou technique, un verrou technologique. Et puis le souci de pouvoir démontrer dans des conditions réelles que ça pouvait fonctionner. Alors une fois qu'on a dit ça,
qu'est-ce que ça peut avoir comme implication de pouvoir détecter une hallucination par IRM. Outre le fait qu'on vient objectiver une expérience subjective, ce qui est déjà en soi intéressant, ça a des implications thérapeutiques. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'alternatives aux médicaments, pour notamment soulager les patients qui ont des hallucinations réfractaires, qui sont basées sur des techniques de stimulation. Et je me focaliserai dans le cadre de Stopo sur ce qu'on appelle les stimulations transcrâniennes, la stimulation magnétique transcrânienne en particulier. Donc, qu'est-ce que c'est la stimulation magnétique ? Ça part d'un postulat que, en fait, les patients qui souffrent d'hallucinations acoustico-verbales pourraient avoir, sur la base de tous les travaux que j'ai pu vous montrer, hein, une anomalie de l'excitabilité corticale des aires du langage. Et effectivement, je vous ai montré que quand un patient hallucine, l'activité de ces régions augmente. Et donc, sur cette base-là, il y a, au début des années 2000, un certain nombre d'auteurs, dont Ralph Hoffman à Yale, ont proposé d'aller moduler par des champs magnétiques l'activité d'une région qui appartient au réseau du langage, qui est la jonction temporoparietale gauche. Et puis, il y a un certain nombre d'essais qui ont suivi, d'essais cliniques, randomisés, qui ont montré que ça marchait, mais quand même la taille d'effet était modeste, était modérée. Hein. Donc, c'était efficace. Mais c'était pas mieux que, par exemple, des traitements qu'on peut utiliser en troisième ligne, comme la clozapine. Et donc, l'enjeu du monde de la recherche et du monde de la psychiatrie, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut optimiser cet effet, puisqu'on est là face à des patients résistants, il y a une technique potentiellement intéressante, eh bien, on peut peut-être réussir à personnaliser le choix de la cible cérébrale qu'on va moduler. Hein. Toute la logique de médecine de précision, de psychiatrie de précision et de haute couture qui a été évoquée ce matin par Marion Le Boyer. Alors pour faire ça, eh bien, l'idée c'est de se dire, voilà, on peut obtenir des cartes fonctionnelles qui sont propres au sujet par l'imagerie de capture et du coup déterminer la meilleure porte d'entrée dans le réseau du langage qu'on va ensuite aller neuromoduler et qui peut être différente pour le sujet A et pour le sujet B. Et ça nous a permis, par exemple, tout d'abord dans des études de cas, de montrer qu'on pouvait mettre en évidence, d'abord, une relation anatomoclinique forte entre, par exemple, la description que pouvaient faire les sujets de leurs hallucinations et les régions cérébrales qu'on pouvait aller moduler. Ce que vous voyez sur la partie haute du graphique, qu'on appelle l'homotopie, c'est le fait qu'un certain nombre de l'homonculus ici de Penfield, qu'un certain nombre de régions cérébrales innervent d'un point de vue sensoriel et moteur des parties du corps. Et donc, on peut montrer que les zones qui sont concernées par l'hallucination vont avoir tendance à s'activer. Je vous ai dit que ces hallucinations et ces activations étaient modalités dépendantes. Et ce qui nous permet ici de personnaliser le choix de la cible avec des réponses thérapeutiques excellentes. Mais ça reste des cas uniques, c'est des cas, des études de cas. Et donc, il faut, en médecine, pouvoir aller plus loin et notamment pouvoir réaliser des essais contrôlés randomisés. Ce qu'on a fait, on a pu montrer cette fois à l'échelle d'un groupe entier que le fait de neuronaviguer la stimulation magnétique transcrânienne permettait d'être plus efficace que la méthode qui avait été initialement décrite par Ralph Hoffman. Et vous trouverez des détails sur le design sur le site Clinical Trials. Voilà les premiers résultats. L'étude vient tout juste de se clôturer. Et vous voyez que dans le groupe neuronavigué, qui est en bleu clair, eh bien, on a une diminution franche et nette, significativement différente du groupe qui reçoit la stimulation magnétique classique. Et surtout, dans l'analyse par corrélation que vous voyez juste à côté, que plus on s'éloigne de la cible qui est identifiée par IRM fonctionnel, moins on a d'effet. Et donc, cette logique de localisation pour déterminer la cible optimale semble expliquer une grande partie de la réponse. Alors, est-ce qu'on peut, avant même d'avoir commencé la thérapie, prédire ceux qui vont répondre ou pas ? Eh bien, oui, toujours grâce à l'imagerie. Et là, le postulat, c'était de se dire que si on change de porte d'entrée pour chaque patient, eh bien, il fallait prendre une cible qui n'était pas en surface du cortex, puisqu'elle change, mais qui était un petit peu plus profonde. Et on a choisi le striatum ventral, qui est cette région ici. Alors, pour des raisons théoriques que je ne vais pas détailler, mais on sait que c'est une région qui est impliquée dans la physiopathologie de la symptomatologie positive. Et on peut étudier par des techniques d'IRM un peu particulières qu'on appelle la spectroscopie par résonance magnétique, la concentration d'un certain nombre de molécules dans cette région.
Et comme on sait que la stimulation transcrânienne va modifier l'excitabilité corticale, ce qui nous a intéressé, c'est justement d'aller regarder les neuromédiateurs excitateurs et inhibiteurs. Le glutamate, son proxy, le GLX, et le GABA, principal interneurone inhibiteur. Et ce qu'on a montré, c'est que plus le GABA, plus l'inhibition était forte dans cette région du striatum, plus le patient allait répondre à une stimulation cérébrale. Donc en fait, on a à la fois un moyen de déterminer la cible optimale par l'imagerie de capture et par la spectroscopie, ici, un moyen de déterminer le potentiel de réponse à cette thérapeutique chez un patient donné. Alors, c'est bien sûr, d'un point de vue clinique, très enthousiasmant. Vous avez vu qu'on a su, avec le temps et à travers un certain nombre de partenariats, dépasser, entre guillemets, les verrous technologiques qui s'offraient à nous. Et c'est des choses qu'on va continuer à, bien sûr, déployer dans le cadre du PEPR Propsy qui vise à implémenter la psychiatrie de précision. Ceci dit, on a aussi rencontré des freins et les freins, et pour ouvrir un petit peu la discussion que je voulais mentionner, moi, de mon côté, sont peut-être un peu moins technologiques que, finalement, sur l'application des recommandations, parce que, d'ailleurs, il y a une tribune qui est sortie hier dans les pages sciences du Monde à ce sujet. Vous avez un certain nombre d'essais qui sortent en ce moment sur l'utilisation de la neuronavigation, donc de ces techniques d'imagerie pour guider la stimulation transcrânienne, qui montrent des effets extrêmement pertinent et important. Par exemple, aux États-Unis, dans le cadre de la stimulation haute fréquence de la dépression, l'étude de Stanford, l'essai SENT, qui a été immédiatement approuvée par la FDA pour une application clinique. Et en parallèle, d'autres recommandations, dont les recommandations récentes de la HAS dans le traitement de la dépression, qui ne recommandent pas, par exemple, l'utilisation de la TMS, mais sans prendre en compte ces études. Et donc, je pense qu'il y a un énorme travail à faire de notre côté pour convaincre à la fois, bien sûr, la société civile, les décideurs, mais également pour être présent dans ces instances de recommandation, pour pouvoir défendre ces avancées scientifiques et médicales, pour qu'elles soient correctement évaluées et qu'elles trouvent une place juste dans l'arsenal thérapeutique. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Renaud, pour ces avancées, cette description importante de ces avancées, et aussi pour faire un point sur les freins, dont vous voyez qu'ils sont absolument majeurs, parce qu'on peut faire de la très bonne science, publier, démontrer l'efficacité, et qu'ensuite, la Haute Autorité de Santé, en tout cas en France, bloque l'application de ces stratégies thérapeutiques. Donc, les questions, vous les gardez pour la fin de cette table ronde. Et on a maintenant le plaisir d'accueillir Olivier Courrèges, qui est directeur de la société Kinaps, et qui va vous démontrer que l'intelligence artificielle peut être au service de l'imagerie cérébrale en psychiatrie de précision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour l'invitation. Donc, moi, je vais vous présenter Kinaps, ce qu'on fait en neurologie et des applications possibles pour la psychiatrie. Donc, Kinaps, on est une société issue du plan Alzheimer de 2010, plus précisément de la plateforme de neuroimagerie CATI. Et on utilise l'imagerie et l'intelligence artificielle pour adresser trois enjeux pour les maladies du système nerveux central. Donc c'est aide au diagnostic, pronostic et mesure d'efficacité des thérapies. On fait ça avec deux logiciels. Le premier, c'est un logiciel qui s'appelle KeyScore, qui automatise l'analyse des images à la fois pour les essais cliniques et la routine clinique. Et le deuxième logiciel, c'est KeyPredict. C'est un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire le risque de progression clinique d'un patient. C'est un logiciel qu'on a développé au début pour prédire le risque de convertir vers Alzheimer pour des sujets qui ont les tout premiers troubles cognitifs. Donc KeyScore, c'est un logiciel qui est en cours de recertification CE-FDA, donc pour une utilisation en routine clinique, en plus des essais cliniques. Et qui prédicte, c'est uniquement pour la recherche, pour le moment. Et tous ces deux logiciels sont supportés par un nombre important d'algorithmes, de données. Donc on a une base de données normatives de plus de 10 000 sujets qu'on est en train d'étendre à la neuropédiatrie, plus des publications, bien sûr, pour supporter les validations de performance. Alors les deux logiciels pour deux marchés. Premier marché, c'est les essais cliniques. Donc là, on aide à
à analyser automatiquement les images pour aider les industriels à obtenir des mesures d'efficacité des thérapies beaucoup plus précises. Et on fait ça avec de très gros partenaires. Le premier d'entre eux, c'est Calix, qui est un des deux plus gros CRO d'imagerie au monde, et qui a déjà basculé tous ses essais cliniques en neurologie sur notre plateforme, hors neuro-oncologie. Et là, le modèle avec ces acteurs-là, c'est qu'eux font tout le service, ils travaillent avec les centres pour mettre en place les protocoles, récupérer et centraliser les images. Et ensuite, nous, on applique notre plateforme pour analyser automatiquement les images. Avec eux, on vise un marché d'une trentaine d'essais cliniques en psychiatrie en 2023, qui utilisent bien sûr l'imagerie. Donc, premier marché, essais cliniques. Et deuxième marché, c'est la routine clinique. Là, le modèle, c'est le même. On travaille avec des très gros partenaires qui sont déjà implantés dans les centres hospitaliers. L'objectif là, c'est de fournir le plus facilement possible aux cliniciens, neuro, radiologues, neurologues, gériatres et bientôt psychiatres, toutes les mesures dont on va parler. Notre premier partenaire, en tout cas en France, c'est Dédalus, c'est le plus gros fournisseur de systèmes d'information hospitaliers en Europe. Et avec eux, l'objectif, c'est de que les cliniciens puissent accéder aux analyses dont on va parler directement dans le dossier patient. À titre de référence, Dédalus, c'est le fournisseur, par exemple, du système Orbis, c'est le dossier patient de la PHP. Donc, le système, comment est-ce qu'il fonctionne, en fait? Donc, on y accède soit via le cloud, soit en local. Pour la version cloud, on est certifié ISO 27001, donc pour adresser tous les enjeux de cybersécurité. Et donc le principe, c'est que les cliniciens peuvent accéder à une interface avancée pour naviguer dans le cerveau et analyser les mesures qu'on va voir, mais aussi générer directement un rapport PDF qui est généré en quelques minutes et qu'on renvoie directement dans le dossier patient. Donc, en termes de mesures, on a un portefeuille de marqueurs d'imagerie très, très vaste, en gros, qui est organisé en trois familles. Il y a les mesures structurelles, les mesures fonctionnelles et les mesures moléculaires. Donc, moléculaires, c'est la mesure de certaines protéines, comme l'amyloïde ou la protéine tau, par exemple, pour les essais cliniques pour Alzheimer, par exemple. Et pour les mesures structurelles, on fournit pour chaque patient les résultats en comparaison avec les données de sujets sains, même âge, même sexe, pour toutes les zones cérébrales listées au milieu là. Et donc, première application de ça, c'est pour l'aide au diagnostic des maladies neurodégénératives, en particulier des démences. Dans cet exemple ici, c'est une patiente dont le profil d'atrophie correspond à celui d'une démence frontotemporale. Donc, dans cet exemple, en fait, le logiciel génère automatiquement les mesures pour le sujet avec la comparaison avec les sujets sains de notre base normative. Et ça aide à supporter un diagnostic pour ce type de maladie. Et le clinicien peut aussi accéder à tout le détail directement dans le rapport et partager les informations avec le patient s'il le souhaite. Donc pour la neurologie, ensuite, notre deuxième logiciel, c'est KeyPredict. Donc là, le principe, c'est qu'on entraîne des algorithmes sur des données historiques. Et l'objectif, c'est ensuite de les appliquer pour un nouveau patient qui va consulter aujourd'hui pour évaluer s'il serait un candidat intéressant pour un essai clinique. On a fait ça donc avec des partenaires académiques et on a utilisé, en plus des données d'imagerie qu'on génère avec KeyScore, les données démographiques et cliniques des patients. Et on a entraîné donc sur une base d'environ 1000 patients et on a des résultats qui sont ici à droite assez bons pour faire ce qui nous intéresse, qui est enrichir des essais cliniques
avec une proportion de patients qui va décliner pendant, cliniquement pendant la durée de l'essai clinique. Donc ça, c'est un enjeu important pour ces pathologies-là, c'est que les essais cliniques ciblent des populations qui sont hétérogènes, dans lesquelles, en fait, une proportion assez faible de patients décline cliniquement. Et en utilisant cette approche et ces techniques, on a déjà présenté que ça pouvait avoir un impact très important sur la performance statistique d'un essai clinique et donc la capacité à démontrer un effet d'un traitement. Ça, c'est une plateforme qu'on a développée pour Alzheimer au début parce que nos clients sont des laboratoires pharmaceutiques qui développent au départ des traitements pour Alzheimer, mais c'est totalement configurable pour adresser les enjeux de la psychiatrie, en particulier la réponse à l'efficacité thérapeutique pour des traitements ou des familles de traitements. Donc justement pour la psychiatrie, les mesures qu'on fournit qui sont connues scientifiquement pour être pertinentes et utiles cliniquement, c'est celles qui sont en bleu ici. Donc en gros, c'est toutes les mesures d'atrophie, c'est l'IRM de diffusion et c'est l'IRM fonctionnel. Et le premier exemple d'application, ça fait écho de la présentation précédente, c'est l'utilisation de l'IRM fonctionnel pour le ciblage de la stimulation magnétique transcrânienne. Donc là, il y a eu une publication récente que Dr Jardry citait juste avant de l'université de Stanford qui montre que il y a un bénéfice très important et une efficacité très supérieure de la TMS lorsqu'elle est ciblée sur les zones du cerveau qui sont liées fonctionnellement au lobe frontal. Et l'IRM fonctionnel permet d'identifier ces zones. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire très facilement parce qu'on a déjà intégré l'IRM fonctionnel dans notre plateforme pour aider les cliniciens à gagner du temps et à beaucoup mieux cibler cette thérapie pour les formes dépressives, pharmacorésistantes en particulier. Deuxième application, c'est l'aide au diagnostic pour les sujets jeunes, les jeunes adultes. Ça, c'est un enjeu clinique important en psychiatrie. C'est compliqué parce qu'il y a une hétérogénéité forte des populations. Et là, il y a six mesures d'atrophie qui sont de six régions qui sont listées ici, qui sont connues pour être corrélées aux troubles bipolaires. Donc là, de la même façon, les mesures quantifiées et la comparaison avec les données normatives de sujets sains pourraient aider à diagnostiquer plus tôt ces troubles bipolaires pour les sujets, en particulier jeunes, au début de ces pathologies. Et troisièmement, c'est la même chose pour la dépression, là, avec quatre mesures que là aussi on fournit et qu'on pourrait sans problème aussi fournir de façon fiable en routine clinique pour aider à mieux diagnostiquer les troubles dépressifs beaucoup plus tôt grâce à donc, l'imagerie. Voilà, donc pour conclure, on a développé une plateforme qui est totalement automatisée, qui est certifiée, qui est très facile à déployer maintenant aussi bien pour les essais cliniques que pour la routine clinique. On est prêt maintenant à travailler avec nos partenaires académiques et industriels pour l'appliquer aux maladies psychiatriques. Ça pour aider à mieux cibler les essais cliniques et à personnaliser la prise en charge des patients en psychiatrie. Voilà, merci. Merci beaucoup. On est content de voir que KINAPS est prêt pour la médecine de précision en psychiatrie. C'est une bonne nouvelle. Message reçu. Et on passe la parole aux biotechnologies et la psychiatrie de précision en donnant la parole à Thomas Brionne, qui travaille dans un domaine extrêmement important pour les aspects thérapeutiques, la stimulation cérébrale, chez Medtronic. À vous la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens à remercier aussi mon collègue Rob Rake, qui est l'auteur de la principale partie des slides. Alors, important, on va parler de stimulation cérébrale profonde maintenant, donc une méthode qui est beaucoup plus invasive que ce qui a été présenté précédemment, et on va rentrer un petit peu dans les détails après. En termes de conflit d'intérêts, je suis employé de Medtronic et actionnaire. En termes d'autorité réglementaire, la plupart des choses que je vais montrer ne sont pas des produits disponibles sur le marché, ce sont des produits utilisés en recherche, ou alors ce sont des produits disponibles par exemple dans Parkinson, mais qui ont été appliqués à d'autres maladies. Donc ce n'est pas une présentation de ce qui existe aujourd'hui mis sur le marché, mais c'est une présentation de recherche. Je ne vais pas faire les chiffres, merci beaucoup d'avoir présenté les chiffres pour la France, on en a beaucoup de chiffres au niveau des États-Unis, mais la taille, bien évidemment, des maladies mentales sur le système de santé est gigantesque. En ce qui concerne la stimulation cérébrale profonde, donc vraiment stimuler des zones profondément dans le cerveau avec des électrodes, l'immense majorité de la recherche, vous voyez le camembert à droite, représente 40 ans de publications et d'études non encore publiées venant principalement des États-Unis et de l'Allemagne, mais voilà, presque les trois quarts viennent de mouvements anormaux. Si aujourd'hui cette stimulation est disponible, notamment pour Parkinson, c'est à cause de ces milliers d'études et de résultats. Vous voyez qu'au niveau cognitif, donc on parlait de démence juste avant, il y a beaucoup moins de recherches. En psychiatrie, il y a une proportion quand même assez importante, mais d'études, on va dire, à des tailles d'échantillons assez petites et réparties, vous voyez dans le carré, le nombre d'indications potentielles est extrêmement varié. Les cibles utilisées sont extrêmement variées, on va en voir quelques-unes. Donc il y a vraiment un effet de dilution, on va dire, de la recherche pour essayer de trouver potentiellement des pathologies qui pourraient répondre à cette stimulation. Donc, on va se focaliser sur celles qui ont marché et qui sont en développement liées notamment à l'innovation, vu que c'est le sujet du jour. En termes de troubles obsessionnels compulsifs, c'est un trouble qui est assez commun si on pense 2-3% de la population mondiale. La stimulation cérébrale profonde n'est pas pour tous les troubles obsessionnels compulsifs. On parle de patients qui sont résistants, donc qui ont essayé toutes les thérapies cognitives ou comportementales possibles, qui ont essayé des traitements médicamenteux première, deuxième, troisième ligne, qui ont vraiment fait tout ce qui était possible et qui, après, avaient comme option principalement la chirurgie. Et en l'occurrence, depuis les années 40, c'était des systèmes de lésions. Donc on a trouvé des zones du cerveau qui sont impliquées dans les TOC et on détruisait de manière précise ces zones-là. Donc ce n'est pas une lobotomie, c'est de la chirurgie de précision, millimètre près. Ça reste une destruction du cerveau. Donc pour éviter cela, il y a l'équipe notamment de Bart Nutin en Belgique qui, en 1999, a publié le premier papier de stimulation cérébrale profonde. Donc on descend une électrode, et au lieu de griller le cerveau, on le respecte, on le laisse et on le module. Donc on injecte un petit peu d'électricité pour changer les rythmes du cerveau à cet endroit. Et les premières cibles étaient en fait les mêmes qui avant étaient détruites. Là, au lieu de les détruire, on va les stimuler, on va les moduler. Et donc la stimulation de la capsule interne est la première application. Il y a eu d'autres cibles, notamment en France, les noyaux sous-thalamiques ont été utilisés avec succès. Medtronic s'est focalisé sur ce bras intérieur de la capsule interne et a finalement obtenu le marquage CE et une autorisation limitée, donc sur base humanitaire aux États-Unis par la FDA. Et donc cette thérapie est devenue accessible en fait de manière légale dans la zone européenne et dans la zone américaine sous condition. Elle a été remboursée dans certains pays, jamais en France, principalement à cause du manque de taille et de nombre d'études cliniques. Pendant toutes les années qui ont suivi, il y a eu énormément d'études, donc dans d'autres cibles liées à la capsule. On a parlé du striatum ventral, qui est une zone assez proche de ça. Beaucoup de recherches, donc vraiment le niveau d'évidence clinique a augmenté. Et surtout, on voyait qu'à long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tant que le cerveau recevait la stimulation, en fait, les bénéfices qui étaient présents, on va dire, entre un patient sur deux, deux patients sur trois, étaient significatifs et stables. Ce qui a donné l'idée d'utiliser cette même cible, donc la capsule interne, pour la dépression, et d'utiliser d'autres cibles, comme le subcalosal cingulate ici en 2005. L'idée étant, encore une fois, on va tester plusieurs cibles, on va voir est-ce qu'on peut aider les dépressions résistantes, encore quand résister aux effets médicamenteux, à toutes les autres thérapies. Et ce qui s'est passé, c'est que les deux grosses études randomisées, donc stimulation active versus placebo, faites par Medtronic et par à l'époque St. Jude Abbott aujourd'hui, donc les deux gros industriels, les deux études ont échoué. Donc il n'y a pas eu de différence significative entre les patients traités par la stimulation et les patients en contrôle. Pourquoi ?
tout un tas de possibilités. On a parlé d'avoir des patients qui, effectivement, est-ce que ce sont les patients qui vont dégrader ou pas? Est-ce qu'on a bien ciblé? Est-ce que l'électrode a été mise au bon endroit? Est-ce qu'il fallait tout simplement aller à cet endroit-là? Est-ce qu'on a bien programmé? Est-ce qu'on a mis les bonnes doses? Est-ce que l'étude était le design de l'étude? Est-ce que la vitesse à laquelle la dépression répond à ce traitement était la bonne? Est-ce qu'on a mesuré avec les bons outils? On a parlé de biomarqueurs tout à l'heure et vous allez voir que c'est vraiment clé. Ou est-ce que c'est toutes ces combinaisons-là qui ont fait que ces deux études ont été négatives et donc n'ont pas déclenché d'autorisation de mise sur le marché? D'un point de vue du SRL, ça veut dire qu'on parle de dizaines de millions de dollars qui, en pratique, n'ont abouti à rien. Rien, pas vraiment. Ça a permis à la recherche de continuer. Et donc, on a notamment arrêté de penser en termes de points dans le cerveau et de zones, mais plutôt en termes de réseaux. Et il y a notamment, entre les TOC et la dépression, certaines structures qui sont communes. Plutôt que parler d'anatomie et d'image globale, d'atlas moyen, maintenant, on parle de psychiatrie de précision, dans ce cas-là, de neurochirurgie de précision. Chaque patient a des fibres nerveuses précises, a des neurones précis qui sont connectés d'une certaine manière. Et avec l'IRM, on peut aujourd'hui imager chacun un peu la carte anatomique de ces maladies. Ça reste, on va dire, la structure, c'est-à-dire où est-ce qu'on va cibler pour chaque patient, à quel endroit on va poster l'électrode, qui finalement, à terme, sera connecté à un stimulateur. Donc avant même de stimuler, il faut savoir où on va. Ensuite, comme ça a été mentionné plus tôt, la technologie a aussi évolué. On a maintenant des électrodes directionnelles, donc on peut envoyer le courant à certains endroits pour cibler certaines cibles. Et on a aussi une nouvelle technologie qui, en fait, reconnaît le fait que le cerveau n'est pas juste une anatomie. Ce ne sont pas juste des neurones. Ces neurones, ils doivent être actifs. Ils doivent tout simplement communiquer les uns avec les autres avec de l'électricité. Et donc, on s'est focalisé sur le fait d'enregistrer ces signaux du cerveau. Donc, au lieu de les enregistrer comme avec une IRM ou par exemple en électroencéphalogramme, donc avec des électrodes sur la tête, là, comme on descend une électrode pour traiter un symptôme, on peut aussi utiliser ces électrodes pour écouter, donc pour enregistrer l'activité neuronale à l'endroit où on va stimuler après. Donc quand on descend l'électrode, bien évidemment, ça peut être pratique pour savoir où on est, est-ce qu'on reconnaît une signature neuronale pendant la chirurgie. Mais l'intérêt pour nous en tant que fabricants de ce stimulateur, c'était de chronique. 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, que le patient vit avec son stimulateur implanté, est-ce que le stimulateur peut nous donner une indication sur l'état du cerveau 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard? C'est intéressant dans le cas de maladies, notamment comme les TOC, qui ne sont pas, le patient n'est pas en état d'anxiété tout le temps. Il y a des provocations, il y a des symptômes. Donc, est-ce qu'on peut enregistrer ça? Et là, l'image, c'est juste pour illustrer le fait que les dispositifs, maintenant, peuvent enregistrer au cours du temps, donc de gauche à droite, et dans une gamme de fréquences, de bas en haut, tout un tas de fréquences différentes, et avec des intensités différentes. Donc, l'espèce de grosse tache rouge représente, on va dire, une suractivité à un moment dans certaines fréquences. Donc certains de ces dispositifs maintenant existent pour Parkinson, sont sur le marché, permettent d'enregistrer l'activité liée à Parkinson, mais ils ne sont pas encore approuvés dans les maladies psychiatriques. À terme, ce qu'on veut, c'est pouvoir suivre l'état du patient, est-ce qu'il va bien, pas bien, d'après ce que dit son cerveau, et potentiellement adapter la dose de stimulation, idéalement un jour de manière automatique, selon l'état du cerveau à un instant T. Et donc, une des manières de travailler là-dessus, en dépression, donc, encore une fois avec des systèmes dits de recherche, c'est de mesurer l'état du patient. Donc on peut demander au psychiatre de faire un entretien, on peut demander au dispositif d'enregistrer le cerveau, on peut aussi avoir des systèmes de reconnaissance faciale, de micro-mouvements, on peut multiplier les marqueurs pour savoir exactement comment va le patient, à quel moment. Dans le cas des TOC, on a même sur ces sujets qui, il faut le préciser, sont financés maintenant principalement par un énorme projet public aux États-Unis qui nous a permis de développer les dispositifs et surtout qui a financé les études cliniques. Donc l'État américain a pris en fait le relais de l'industrie pour permettre de financer ces études qui sont extrêmement lourdes. Là, vous voyez un patient qui est en train de dormir, qui a son dispositif implanté, donc qui enregistre la zone du cerveau potentiellement liée au TOC, qui a également une montre connectée, donc là c'est une Apple Watch, mais il y en a d'autres, hein, qui permet de voir le rythme cardiaque, ce genre de choses, mais aussi est-ce que le patient dort, est-ce qu'il est actif, et donc on a à la fois le corps, l'intérieur du cerveau, et le patient peut aussi entrer dans sa montre, comment il se sent à ce moment-là, est-ce qu'il est anxieux, est-ce qu'il va bien, donc on arrive maintenant à pouvoir aligner dans le temps l'intérieur du cerveau, l'extérieur, le mouvement et même comment le patient se sent d'un point de vue subjectif. Donc on peut vraiment tout aligner. Ça reste de la recherche. On parle d'études avec des nombres de patients très faibles, tout simplement parce que la technologie est pour l'instant très lourde. Et on arrive maintenant donc aux barrières. Le problème, c'est effectivement l'adoption.
L'adoption en ce moment en Europe, le souci c'est que les règles européennes donc, pour obtenir le marquage CE, donc l'équivalent de l'autorisation de la mise sur le marché pour les dispositifs médicaux, ont changé. On a beaucoup plus d'évidence clinique aujourd'hui pour les TOC, par exemple, qu'on avait à l'époque où on a obtenu l'autorisation. Mais la barre étant montée tellement haut, ça devient financièrement impossible de continuer à faire de plus en plus d'études pour une autorisation qu'on avait déjà, en fait. Et la communauté médicale commence à se plaindre de ça, parce qu'en disant, attendez, on a travaillé pendant 20 ans, on vous a donné beaucoup plus de données, et maintenant, vous, en pratique, rendez le fait de vendre ces dispositifs impossible à cause de la quantité de patients qu'il faut recruter. Encore une fois, ce sont des patients très réfractaires, qui ne sont pas très nombreux. Il y a la question du remboursement, il y a toutes ces choses. Il y a aussi la question de, ben voilà, est-ce que les psychiatres qui sont plus habitués au traitement médicamenteux sont volontaires pour référer leurs patients pour des études plus interventionnelles. Et finalement, je terminerai sur Parkinson, vu que c'est la grande indication autorisée pour la stimulation cérébrale profonde. On estime qu'à peu près seulement 15% des patients qui pourraient en bénéficier, donc pas tous les patients parkinsoniens, juste le sous-groupe qui pourrait bénéficier de la stimulation cérébrale profonde, reçoit en fait cette thérapie. Donc même dans une indication qui a été extrêmement bien étudiée, qui a toutes les évidences cliniques nécessaires, qui est remboursée par l'assurance maladie, il y a encore des gens qui n'ont pas accès à cette thérapie. Donc on a vraiment besoin que tout le monde, des médecins aux autorités, aux industriels, travaillent ensemble pour que les patients qui sont potentiellement candidats bénéficient de ces thérapies. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai disponible pour la discussion. Merci beaucoup. Message reçu. Je pense effectivement qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour arriver à changer cette situation. On n'a pas beaucoup de temps, mais on a quelques minutes pour quelques questions. Et on a des micros qu'on est à votre disposition pour vous passer. Une question à droite. Bonjour. Tout cela fait quand même de l'humain un futur objet, ou déjà au présent un objet d'ingénierie. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Je m'adresse au conférencier de Medtronic. Alors, aujourd'hui, l'humain, par exemple, qui a des problèmes cardiaques, peut avoir un pacemaker qui enregistre son rythme cardiaque, qui stimule son cœur au moment où il a besoin, seulement au moment où il a besoin. Ce qu'on découvre maintenant avec les avancées des neurosciences, c'est que typiquement pour les mouvements anormaux, le tremblement ne vient pas de la main, il vient du cerveau. Donc, à partir du moment où on a trouvé un biomarqueur, trouver l'endroit et le moment nécessaire pour réduire ce tremblement, il y a un intérêt à avoir ces données, à les utiliser pour réduire le symptôme. Je pense qu'en termes de psychiatrie, ce sont des choses beaucoup plus globales, beaucoup plus holistiques. Donc, si on parle de dépression, ça ne se résumera jamais à une bande de fréquence dans un millimètre cube de cerveau. On est bien d'accord, c'est une personne avec un vécu. On a parlé aujourd'hui des aidants, des systèmes de santé, de l'environnement, de la société, du stress, du Covid. Voilà, une personne reste une personne en entier, avec sa famille, avec son médecin traitant. Nous, on agit sur la partie, on va dire, réductionniste, objectif de tel symptôme, de tel moment, pour faire en sorte que ça fasse une différence, pour améliorer la vie de la personne. L'humain ne devient jamais un objet, c'est juste qu'il y a une partie de cet humain qui est mesurable et qui est potentiellement améliorable quand elle en souffre. On parle bien de patients réfractaires. Là. Merci beaucoup. Question. On a encore le temps peut-être pour une question. Vous pouvez vous présenter en posant les questions. Merci. Pardon. Bonjour, Vanessa Adoué, je suis cofondatrice d'une société qui développe des applications logicielles pour les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. J'étais très intéressée par vos conférences, excellent travail. J'avais une question plus à KNAPS. Dans toutes les analyses que vous avez faites, vous avez pu confirmer les prédictions par des analyses longitudinales, où tout est fait par études cross-sectionnelles, pardon, et pas encore validées avec des études longitudinales. Alors, merci pour votre question, c'est une très bonne question. Donc, l'entraînement des modèles, on l'a fait sur des données historiques, donc de patients qui sont suivis cliniquement, dont on sait 2 ans après le premier diagnostic s'ils sont convertis ou pas vers la maladie d'Alzheimer, puisque c'est ce qu'on a commencé à prédire, d'accord. Ça, c'est la première étape, d'accord. C'est l'entraînement des algorithmes. Ensuite, il y a une validation toujours sur des données rétrospectives.
puisqu'on valide des algorithmes avec sur des données indépendantes de celles qu'on a utilisées pour l'entraînement. Là, maintenant, on est au stade où on commence à appliquer la technologie, toujours sur des données rétrospectives, mais cette fois-ci d'essais cliniques, pour réanalyser les données des essais cliniques et pour identifier au niveau de sous-groupes de populations qui ont reçu un traitement dans le cadre d'un essai clinique, si le traitement a un effet supplémentaire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier dans ces populations le sous-groupe de patients qui étaient à risque de progression clinique plus élevé, en fait. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est la deuxième étape de validation. C'est ce qu'on fait avec des industriels. On a un premier industriel qui a terminé une étude importante de finale sur un nouveau traitement pour la maladie d'Alzheimer avec lequel on travaille sur ça. Et ensuite, la prochaine étape, une fois qu'on aura fait cette validation rétrospective, ce sera d'utiliser ces techniques-là comme critère d'inclusion pour des nouveaux essais et donc pour choisir les patients à risque de progression pendant les 18 mois ou 24 mois de l'essai. D'accord ? On est encore au milieu du chemin, mais c'est très prometteur parce que, compte tenu de l'hétérogénéité très importante des populations dont on parle, il y a un effet très important à mieux cibler ces essais sur les gens qui sont les sujets à risque de progression clinique. Merci beaucoup. Si vous en êtes d'accord, on va s'arrêter là et on vous pourrez, pendant le déjeuner, continuer à poser des questions. Un très, très grand merci à nos trois intervenants. Je pense que c'était tout à fait exemplaire à la fois de l'excellence scientifique, de l'innovation et des freins qui sont majeurs et qu'il faut savoir prendre en compte et dépasser. Merci beaucoup. Merci. On passe à la deuxième table ronde de la matinée sur l'innovation thérapeutique en psychiatrie de précision. Et je vais demander à nos trois orateurs, Valérie Autier, Nicolas Glashenhaus et Nathalie Manot, de me rejoindre. Donc on continue l'exploration avec des académiques, des start-up et des industriels de la médecine, des outils de la médecine de précision pour continuer à réfléchir sur ce qu'on sait, ce qu'on va développer et quels sont les freins à l'innovation. Et je vais passer la parole à Valérie Autier qui est cofondatrice et directrice de la société MetaBrain et qui va nous donner comme exemple la voie d'équinurénine dans l'innovation thérapeutique. Merci Valérie. Bien, merci beaucoup Marion, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter finalement un peu aujourd'hui plus qu'une innovation, une démarche d'innovation et comment des petites structures de biotechnologie ou des petites organisations cherchent à faire la transition et le transfert d'une innovation jusqu'à un développement clinique pour le patient. Pour démarrer, donc, aujourd'hui, MetaBrain, c'est une société biopharmaceutique de petite taille qui s'intéresse historiquement aux maladies chroniques, globalement, et peut-être un peu plus précisément aux maladies cardiométaboliques dont on sait et dont on va montrer aujourd'hui par la démarche qu'on a faite avec différents chercheurs combien elles peuvent être liées à des maladies neurodégénérative ou neuropsychiatrique, c'est d'ailleurs l'origine du nom MetaBrain, c'est cette connexion que nous avons faite. Donc, notre travail chez MetaBrain, c'est essentiellement d'accompagner l'innovation et de l'accompagner de différentes manières, en innovant nous-mêmes, en faisant des partenariats avec les chercheurs académiques et les cliniciens, ou en co-entreprenant avec différentes petites sociétés qui existent déjà ou bien des industries pharmaceutiques. Ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui chez MetaBrain, c'est de construire des outils industriels, d'avoir une démarche de recherche industrielle qui vont donc
encore une fois, mettre en mouvement les différents acteurs de l'écosystème et plus précisément en se focalisant, je dirais, sur l'aval avant de définir ce qu'il faut faire en recherche, c'est-à-dire en identifiant les domaines pathologiques dans lesquels on veut travailler et les patients que l'on veut soigner. Et partant de là, eh bien, on arrive à recréer toute une plateforme de R&D qui vont nous permettre de définir les modèles expérimentaux qui vont nous permettre de démontrer cela et les concepts sur lesquels nous devons travailler en recherche fondamentale pour y parvenir. On est aujourd'hui situé dans la zone de Paris-Saclay et on est réellement et on a cette volonté d'être au cœur d'un réseau d'entrepreneurs et de chercheurs académiques. Donc nous croyons réellement en cette nécessité hein, de porter un autre regard sur les pathologies et nous allons vous démontrer comment nous avons appliqué cela au domaine des maladies psychiatriques et de renforcer véritablement les partenariats. Et si on doit parler de freins aujourd'hui à l'innovation, je pense qu'on pourra évoquer ce sujet-là. Donc je ne rentre pas davantage dans le détail, mais vous l'aurez compris, donc nous accompagnons à la fois les chercheurs académiques et les sociétés existantes pour leur permettre de développer de nouvelles innovations en apportant à la fois du capital humain et des nouvelles idées. Alors comment ces nouvelles idées nous viennent ? La première chose et le premier concept innovateur que nous avons développé chez MetaBrain est finalement de regarder et d'observer ce que l'on vit autour de nous. Et je pense que l'expérience du Covid nous a montré à quel point la sédentarité pouvait nous amener à des pathologies que sans doute on ignorait jusque-là et à faire des liens entre différentes sous-populations de patients. Alors, de longue date, comme je vous le disais, nous travaillons sur les maladies cardiométaboliques et rénales, donc le diabète, l'obésité. Ça paraît assez évident que dans ces pathologies-là, le fait d'être sédentaire, eh bien, ces pathologies s'aggravent, on devient de plus en plus malade, on grossit. Bon, c'est quelque chose qui était relativement connu, mais jusqu'à maintenant, on n'en avait pas perçu l'impact et le rôle sur la physiopathologie de ces maladies. De la même façon, et encore une fois, le Covid a réellement révélé cela, on s'est rendu compte qu'il y avait, en lien avec cette sédentarité, de plus en plus de personnes qui déprimaient ou de personnes qui avaient des pathologies psychiatriques connues, mais qu'on n'avait pas forcément mis en lien avec cela. On sait depuis longtemps aussi que les maladies psychiatriques et les maladies cardio-métaboliques sont liées, puisque plus de 30% des patients qui ont un diabète ont également une dépression associée. Donc on a réellement travaillé sur ce concept de la sédentarité et on est aujourd'hui favorisé avec la nouvelle définition d'une pathologie hein, qui est liée à cette sédentarité et qui conduit à la fonte musculaire qu'on appelle la sarcopénie. C'est reconnu à part entière comme une pathologie aujourd'hui qu'il faut traiter et qu'en traitant cette sarcopénie, eh bien, chez certains patients, on peut améliorer les autres pathologies associées. Donc nous avons pris cet angle et nous nous sommes du coup intéressés aux différentes voies mécanistiques qui pouvaient conduire à la fonte musculaire. Et on a notamment travaillé sur une nouvelle voie, je dirais qu'on appelle la voie des kynurénines. La voie des kynurénines, c'est tout simplement le pendant de la voie de la sérotonine dans le métabolisme du tryptophane. Donc effectivement, pendant des années, le métabolisme du tryptophane n'a été vu que sous l'angle de la voie sérotoninergique. Et nous l'avons regardé peut-être d'une autre manière, plus sur l'élément énergétique, c'est-à-dire l'autre partie de la voie de métabolisation du tryptophane qui conduit à la synthèse d'une petite molécule qu'on appelle le NAD et qui est par excellence le métabolite de l'énergie cellulaire. Et en faisant du lien entre cette voie métabolique
Et ce qui était connu historiquement dans la littérature et ce qui vient d'être relativement récemment être révélé, nous avons identifié qu'un de ces métabolites de la voie du tryptophane qu'on appelle l'acide quinurénique ou plus simplement le quina, eh bien, était le petit métabolite finalement qui est produit lorsqu'on fait de l'activité physique. Et ça, c'est quelque chose qui a été révélé très, très récemment, enfin, je dirais, il y a moins de 5 ans. Et ce que nous avons travaillé chez MetaBrain et ce que nous avons révélé comme autre information clé, eh bien, c'est que ce petit métabolite, l'acide quinurénique, était en quelque sorte le médiateur des effets métaboliques et des effets physiologiques que peut procurer l'activité physique ou la mise en mouvement des muscles. Et on a également démontré que lorsque l'on est sédentaire ou lorsqu'un muscle n'est pas mis en activité, eh bien, il s'atrophie et il perd progressivement sa fonction et en particulier sa fonction métabolique. Donc c'est en faisant cette démarche que nous nous sommes intéressés à cette fameuse voie des quinurénines. Ce que nous avons démontré de manière très claire aujourd'hui, et ça c'est un des principaux actifs de notre société, eh bien, c'est que l'acide quinurénique, lorsque l'on en donne de manière orale, de manière exogène, à des patients qui n'en produisent pas assez, soit parce qu'ils sont malades, soit au contraire parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'activité physique, eh bien, on est capable de leur redonner à la fois de la force musculaire, de la fonction musculaire. Et ce qui est intéressant ici dans l'expérience qui est montrée, c'est que lorsque l'on pratique cette supplémentation chez des patients qui ont été immobilisés un temps, donc il peut y avoir différentes formes d'immobilisation, quand on repart dans une phase de récupération, on est capable d'accélérer avec ce type de molécule la reprise de fonction musculaire et du coup d'avoir des propriétés que je ne décris pas ici, mais intéressantes sur toutes les pathologies chroniques. De cette découverte, ce que nous avons recherché, évidemment, ce sont des moyens thérapeutiques d'augmenter de manière physiologique la synthèse de ce petit métabolite. Et donc, on s'est intéressé à la totalité de cette voie métabolique en prenant une des enzymes clés régulatrices de cette voie qu'on appelle la quinurénine monooxygénase, ou KMO pour le dire plus simplement. Et nous avons donc développé des petites molécules qui vont cibler cette enzyme et qui vont permettre de ce fait de reconstituer les stocks d'acide quinurénique endogène et donc de pouvoir être utilisé dans différentes applications thérapeutiques. Donc, on a plusieurs solutions aujourd'hui pour aborder l'ensemble de ces pathologies chroniques, parmi lesquelles figurent les maladies psychiatriques, bien entendu, les maladies mentales, mais aussi les maladies cardiométaboliques. Et j'en viens finalement à une manière un petit peu différente, peut-être d'aborder la prise en charge de l'ensemble de ces patients, en se disant, et c'est une réflexion qui est très ouverte aujourd'hui, peut-être qu'il y a deux, trois moyens de traiter et de stratifier les différentes populations de patients. Et on se rend compte aujourd'hui, pour parler plus précisément des maladies psychiatriques, qu'il y a énormément de recherches qui sont faites sur cette nouvelle voie métabolique par des approches de biomarqueurs, des approches assez classiques, de dosage dans le sang par des technologies de métabolomique. Et je n'ai pris que pour exemple 3 publications récentes en 2022, mais depuis 2020-2021, dans des applications de pathologies liées à la santé mentale. Eh bien, on est en train de découvrir que finalement, on peut stratifier et identifier des sous-populations de patients qui ont un déficit particulier dans ce métabolisme du tryptophane. Du coup, ça nous fait une approche complètement différente, un angle pour envisager la prise en charge de ces patients
On a déjà une très belle démonstration avec l'acide quinurénique, par exemple, dans la schizophrénie. Et nous travaillons avec l'équipe de Fondamental aujourd'hui pour identifier d'autres sous-populations de patients. Et je crois qu'on aura bientôt un article qui sera publié pour démontrer qu'on est effectivement capable de regrouper un petit peu différemment par cette approche biomarqueur différentes populations de patients. Et ce que nous cherchons à faire, c'est avec l'aide de l'ensemble des partenaires académiques et cliniciens, c'est à définir finalement une autre méthode d'identification et de regroupement des patients en se disant, eh bien, soit on peut traiter des patients qui sont déficients, en l'occurrence, dans la production dans cette voie métabolique, dans la production de cet acide quinurénique, ou bien on peut les regarder différemment en se disant, on va cibler plus précisément les patients qui ont un désordre psychiatrique, un défaut de la voie du tryptophane et une sarcopénie associée. Et quand on parle de médecine de précision et d'avoir des thérapeutiques qui vont vraiment s'adresser à des patients qui en ont besoin, eh bien, il me semble que là, on a un outil et une voie, une cible moléculaire qui prend tout son sens dans cette démarche aujourd'hui. Donc, une des problématiques, évidemment, que l'on rencontre, eh bien, c'est de faire accepter par les autorités de santé qu'on peut adresser des indications thérapeutiques différemment et qu'on peut croiser différentes indications thérapeutiques. Et puis, bien évidemment, en tant que petite société de biotechnologie, quand on a des concepts qui sont relativement innovants et relativement pionniers, il est toujours difficile de trouver des partenaires financiers pour accompagner ces démarches. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et d'en discuter pendant cette conférence. Mais voilà, pour terminer, pardon. Donc, cet exemple, donc de se dire, regardons un peu les choses autrement, luttons contre l'immobilisme, hein, c'est quelque chose qui a façonné notre démarche entrepreneuriale et qui amène à revisiter les stratégies thérapeutiques d'aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie pour cette nouvelle vision et clinique et biologique et thérapeutique. C'est exactement ce qu'on cherche en bousculant le concept de l'innovation. Donc un très très grand merci. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Gleichenhaus qui est professeur d'immunologie à Nice à l'université Côte d'Azur et qui travaille à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire au CNRS et qui va nous parler d'une signature biologique dans le diagnostic de la dépression. Et bonjour à tous, donc merci Marion pour cette invitation. En fait, je crois que j'interviens à deux titres. J'interviens comme académique, effectivement, comme Marion l'a dit, je suis professeur à l'Université Côte d'Azur. Je travaille en étroite collaboration avec un professeur Raoul Belzo, qui est à CHU de Montpellier. Et nous sommes également cofondateurs d'une start-up. Et donc, je crois que c'est à ce double titre que Marion m'a invité. Alors, je vais vous parler de biomarqueurs permettant le diagnostic différentiel, essentiellement dans une maladie qui s'appelle le trouble bipolaire. Comme j'imagine beaucoup d'entre vous le savent, le trouble bipolaire est un trouble de l'humeur dans lequel vous avez deux types de phases, donc des phases d'excitation qu'on appelle des phases de manie ou d'hypomanie dans lesquelles les patients ont des comportements à risque, ils ont des problèmes d'insomnie, ils ont des désinhibitions, ils ont également des problèmes d'excitation importants, avec des risques de suicide élevés pendant ces périodes. Et puis, dans la bipolarité, il existe également un certain nombre de phases de dépression. Donc, cette maladie, ce trouble de l'humeur, est différent, bien sûr, des troubles dépressifs, dans lesquels il n'y a que des phases dépressives. Le problème de ces maladies, bien sûr, c'est un problème de traitement, mais c'est surtout un problème de diagnostic. En fait, il faut savoir que la majorité des patients vont voir leur médecin généraliste, je reviendrai sur les soins primaires tout à l'heure, quand ils sont en phase dépressive. C'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les médecins généralistes ont souvent des problèmes pour diagnostiquer cette bipolarité.
Donc, c'est important de faire cette distinction parce que la bipolarité est traitée essentiellement par des régulateurs de l'humeur, alors que les troubles dépressifs sont traités par des antidépresseurs et sont efficaces dans une bonne partie des patients. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, le diagnostic est difficile pour différentes raisons, et notamment la communauté avec le fait que ces deux syndromes les patients présentent des troubles dépressifs. Et les conséquences de ça, c'est que 10 à 20% des patients aujourd'hui qui sont traités pour un trouble dépressif sont en fait des patients qui ont des troubles bipolaires. Et la conséquence de ça, c'est le retard de diagnostic pour la bipolarité est de 10 ans. Le problème donc de ces erreurs de diagnostic, c'est que les traitements que l'on donne à des patients bipolaires qui sont traités pour la dépression, en fait, ces traitements non seulement sont inefficaces, mais en plus aggravent les phases d'hypomanie et de manie. La prise en charge de ces patients est inadaptée, et également le coût socio-économique de ces erreurs de diagnostic est important. Alors, la question, c'est bien sûr comment éviter les erreurs de diagnostic, et encore une fois, essentiellement en soins primaires, parce que c'est là que 90% des patients bipolaires viennent consulter pour la première fois. Une première possibilité serait de conduire des entretiens spécialisés, mais il y a bien sûr plusieurs problèmes. Le principal problème est que les médecins généralistes n'ont pas le temps ou alors n'ont pas les formations pour conduire ces entretiens spécialisés. Une autre possibilité serait d'utiliser des auto-questionnaires. Il en existe un qui s'appelle le MDQ, mais il est peu utilisé par les médecins généralistes. Et en plus, sa spécificité, mais surtout sa sensibilité, sont très faibles. Je crois qu'elle est de 46% en sensibilité pour le MDQ. Une autre possibilité, bien sûr, consiste à orienter un patient vers un psychiatre. Mais comme nous le savons tous, il y a un problème d'accessibilité au psychiatre. Et donc, une solution, ce serait de disposer de biomarqueurs qui permettraient à un médecin généraliste d'affiner son diagnostic et de faire un diagnostic différentiel entre trouble dépressif et trouble bipolaire. Alors, il faut également réfléchir à ce que serait un biomarqueur idéal. Bien sûr, un biomarqueur idéal, c'est un biomarqueur qui est une sensibilité élevée. Alors, la sensibilité est très importante dans le cas de la bipolarité parce que, en fait, ce que les médecins loupent, entre guillemets, c'est les patients bipolaires. La fiabilité, bien sûr, de ce biomarqueur doit être importante. Il doit être faisable, en fait, d'utiliser ce biomarqueur. Ce biomarqueur doit être accessible. Il y a également des problèmes d'interopérabilité. Et puis, surtout, quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, en tout cas pour le moment, c'est l'acceptabilité. Pour qu'un biomarqueur puisse être utilisé, il faut qu'il soit accepté par les patients, bien sûr, mais surtout accepté par les médecins généralistes en soins primaires et éventuellement aussi par les psychiatres. Donc, cet aspect de acceptabilité est vraiment important. Et puis aussi, et surtout, je dirais, il faut que ce biomarqueur ait une pertinence médico-économique. Et donc, ce que nous avons envisagé avec mon collègue Raoul Belzo, c'est de nous focaliser sur des prélèvements sanguins qui sont largement utilisés aujourd'hui, bien sûr, en médecine, de nous appuyer sur des méthodes de dosage qui existent actuellement, qui n'ont pas été développées, mais qui existent actuellement, et de nous appuyer également sur des réseaux de laboratoires d'analyse médicale. Alors, bien sûr, avant de commencer tout ça, il faut avoir des résultats. Il y a quelques années, avec Raoul, nous avons obtenu la preuve de concept qu'il était possible de faire la différence entre des patients souffrant de troubles bipolaires et des patients souffrant de troubles dépressifs, simplement en mesurant l'abondance de trois protéines solubles, des cytokines, dans le sang des patients. Une chose importante, c'est que nous avons validé ces résultats sur deux cohortes indépendantes. En fait, il y a beaucoup de résultats en psychiatrie qui sont fondés sur des résultats obtenus sur une cohorte et ils sont très rarement en fait validés sur des cohortes indépendantes. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait fondamental avant de se lancer dans la commercialisation, dans la valorisation de ces biomarqueurs d'un point de vue socio-économique. Donc, nous avons bien sûr, à la suite de cette découverte, déposé un brevet. Et nous avons un projet de start-up. Alors, nous avons décidé de la créer seulement dans quelques mois, pour différentes raisons. Donc, notre objectif à moyen terme, et seulement à moyen terme, malheureusement, c'est de commercialiser
le premier test diagnostique en psychiatrie utilisable en soins primaires. Alors notre modèle est assez simple finalement. Donc l'idée ce serait qu'un patient qui présente des symptômes dépressifs aille voir son médecin généraliste. Encore une fois, j'insiste bien aujourd'hui que c'est dans 90% le cas, le premier contact entre le patient et le système de soins, c'est le médecin généraliste. Le médecin généraliste, dans notre modèle, prescrirait une prise de sang. Cette prise de sang serait analysée par des laboratoires d'analyse médicale en utilisant encore une fois des techniques qui ont été validées et qui sont largement utilisées aujourd'hui. Et les résultats de ces analyses, ainsi que bien sûr les résultats des données cliniques, en fait, les données cliniques du patient seraient transmises à notre start-up qui pourrait fournir en fait une probabilité en fait que le patient soit atteint de troubles dépressifs. Et sur la base de cette information, eh bien, le médecin généraliste pourrait prendre la décision de traiter ou pas le patient en fonction de ce qui est préconisé aujourd'hui. Alors, Marion m'a demandé également de vous donner un petit peu les étapes des embûches, je dirais, du parcours du chercheur académique avant qu'il crée sa société. Donc ça, c'est notre histoire et notre, j'espère, futur. Nous avons bien sûr commencé ces études en 2016, donc il y a maintenant assez longtemps. Il a été compliqué d'obtenir des financements. Nous avons obtenu un financement de prématuration en 2018. Nous avons déposé un brevet en octobre 2019. Nous avons une publication en mai 2021. Et puis, nous avons été incubés, nous sommes actuellement incubés par un incubateur à Marseille. En octobre 2022, donc c'est très récent, nous avons été très honorés d'obtenir le prix Marcel Dassault pour l'innovation en psychiatrie, donc un prix assez prestigieux qui est attribué par un comité d'experts internationaux. Et nous avons également fait une demande de PHRC qui devrait nous permettre d'effectuer un essai de validation en conditions réelles, c'est-à-dire en nous adossant sur des médecins généralistes. Nous sommes également en contact avec des bureaux d'experts pour le marquage CE. Et nous pensons fonder notre start-up, créer notre start-up seulement au début d'année prochaine. Alors, encore une fois, je vous ai parlé de validation. C'est très, très important pour nous de valider nos biomarqueurs dans une situation en soins réels, c'est-à-dire en soins primaires. Et nous espérons pouvoir lancer un essai clinique en novembre 2023. Bien sûr, il nous faudra une levée de fonds pour faire cet essai clinique qui s'annonce relativement cher parce qu'il est assez difficile de travailler avec des médecins généralistes en soins primaires. Et nous voulons surtout avoir suffisamment de patients pour être convaincus, en fait, pour nous assurer en fait, du bénéfice de ces biomarqueurs pour la prise en charge des patients. La fin de cet essai clinique, nous la programmons pour juin 2025 et nous espérons pouvoir, après avoir obtenu le marquage CE bien sûr, pouvoir commercialiser ce premier test à la fin 2025. Donc c'est effectivement un long parcours pour plein de raisons, mais notamment parce que nous pensons qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce en psychiatrie, beaucoup d'entreprises pharmaceutiques qui font des effets d'annonce mais qui n'ont pas leurs biomarqueurs qui ont été validés dans la vie réelle. Et je crois que c'est vraiment un problème pour l'avancée de la médecine en psychiatrie, la médecine de précision. C'est beaucoup d'effets d'annonce qui, finalement, à la fin, ne se traduisent pas par beaucoup de choses. Merci beaucoup, Nicolas, pour la description de ce parcours de l'académique à la start-up qui avance, même s'il y a des lenteurs que nous regrettons tous. Je vais maintenant passer la parole à Nathalie Manot, qui représente aujourd'hui le LEM et où elle est directrice de l'innovation. Et elle va nous parler de la mobilisation des industriels de la santé pour l'innovation en santé mentale. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais parler, je vais non pas présenter un projet comme il y a plein de choses qui ont été faites, mais plutôt vous parler de ce qui est fait par le LEM, qui est le syndicat des industriels du médicament. Donc en fait, ce syndicat des industriels du médicament, on a fait plein de constats sur le fait qu'il y avait peu de molécules ou peu de médicaments qui étaient développés. Aujourd'hui, depuis un an, on réunit un collectif d'une douzaine d'industriels pour adresser des problématiques de santé mentale, en fait. Donc la première chose qu'on a fait, d'abord, c'était la volonté de créer ce comité et de s'attaquer à ces
aux enjeux associés à la santé mentale. La première chose qu'on a fait, c'est de partager finalement un constat commun sur qu'est-ce qui faisait finalement qu'on avait des problèmes pour développer des nouvelles thérapies. Et ce constat commun, finalement, c'était un constat qu'il y avait, et c'est ce qu'on a vu déjà avec plusieurs exemples, c'est qu'on avait un retard sur toute la chaîne de l'innovation. On a un déficit de partenariat public-privé quand on compare à d'autres domaines thérapeutiques. On a des évaluations des innovations qui posent des problèmes, qui sont propres au champ de la psychiatrie. On a des problèmes de financement, comme ça a été évoqué ce matin par Madame Durand-Zalensky, qui limitent l'accès aux innovations et qui, par ailleurs, du fait de l'organisation qu'on a, vont générer pas mal d'inégalités sur le territoire. Ça, c'était la première chose qu'on a faite, c'était finalement de constater et de s'accorder finalement sur tous ces retards. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu regarder d'un peu plus près qu'est-ce qui coinçait et documenter en fait le mieux possible les problématiques qu'on rencontre et les éléments qui peuvent coincer. Donc en retraçant finalement cette chaîne et ce parcours de l'innovation, on s'est d'abord intéressé à ce qui était en développement en termes d'essais cliniques, en termes d'essais cliniques pour les médicaments, sur le domaine du médicament. La première chose qu'on peut constater, et ça a été dit ce matin, c'est que finalement, c'est un domaine sur lequel on a peu d'essais cliniques. En France et dans le monde, ça représente à peu près, il y a à peu près seulement 2% d'essais cliniques qui concernent la psychiatrie, 2,5% en fait exactement au niveau du monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, en oncologie, ça représente à peu près 25%, l'infectieux un petit peu moins, 12%, etc., etc. Mais là, on tombe à 2%. Ce qui est quand même relativement faible. Donc c'est un domaine qui, on l'a dit, est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, mais qui malgré tout, il y a peu d'essais cliniques. Quand on regarde au niveau européen, quand on fait un focus au niveau européen sur les essais cliniques, alors on a regardé sur les années 2020-2021 ces essais cliniques. Au niveau européen, on s'aperçoit que, alors c'est des petits échantillons à chaque fois, hein, mais sur le nombre d'essais cliniques qu'on observe, on a à peu près 64% de ces essais cliniques qui sont soutenus par des financements industriels. Quand on essaie de focusser sur les différents pays européens, on s'aperçoit que 100% des essais cliniques dans le domaine du médicament en psychiatrie sont financés par des financements industriels quand on est au niveau de la Pologne. En Italie, c'est 86%. Quand on est en Allemagne ou en Espagne, on tombe à trois quarts des essais qui sont financés par des financements industriels. 63% quand on est en Angleterre. Et quand on arrive en France, on tombe à 50%. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a probablement un manque d'attractivité pour la recherche clinique au niveau français. Et donc ça se traduit par un déficit d'essais cliniques et un déficit de partenariat public-privé. Mais malgré tout, si on regarde dans l'autre sens, on peut se dire que finalement on a un vivier de recherche en France qui est quand même relativement important et qui pourrait susciter beaucoup plus de partenariats. Donc ça, c'est quand on regarde du côté des essais cliniques. On a fait une autre analyse qui était de se dire quelle est la disponibilité des médicaments sur le territoire national. Donc on a regardé à peu près plusieurs produits, 23 indications sur les 11 dernières années. Et on s'est rendu compte que finalement la France était un des pays qui apparaissait le plus défavorable par rapport à d'autres pays, notamment par rapport à l'Allemagne, mais aussi et surtout par rapport à l'Italie et l'Espagne. Et donc on a beaucoup moins d'indications qui sont présentées. On a été creusé un petit peu plus parce qu'on a cherché où est-ce que ça pouvait bloquer. Et on s'est rendu compte que finalement, parmi les indications qui existent, il n'y en a que 40% qui semblent disponibles pour les patients français. Ce qui veut dire qu'on a très probablement les patients français n'ont pas accès à un certain nombre de thérapies qui sont développées ailleurs, pour plein de raisons, des raisons d'évaluation, de la façon dont les médicaments sont évalués du fait des modèles d'évaluation et du fait que sont comparés à des molécules anciennes, ils sont comparés contre des placebos, ce qui n'arrange pas ensuite leur accessibilité.
Et quand c'est accessible sur le territoire, et ça, ça a été évoqué aussi, on se rend compte qu'il y a des inéquités d'accès. On a mené un travail, enfin, on a eu des échanges avec un groupe de pharmaciens hospitaliers qui s'intéresse finalement à voir quels sont les médicaments disponibles. Et ça a été évoqué ce matin aussi. C'est-à-dire que le modèle de financement des établissements en psychiatrie fait que il n'y a pas, contrairement à ce qu'on observe en médecine générale, chirurgie obstétrique, il n'y a pas de compartiment dédié qui permette de financer les médicaments onéreux. Donc, comme ce compartiment n'existe pas et comme l'enveloppe dédiée aux médicaments en psychiatrie est relativement faible, quand les médicaments sont disponibles, il y a un problème d'accès des patients à ces médicaments parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'enveloppe qui permet de payer ces médicaments, que ce soit des médicaments en psychiatrie d'ailleurs, mais aussi, c'est ce qui a été dit ce matin, les médicaments, les autres thérapies, parce que les patients en psychiatrie ont très souvent d'autres pathologies. Et donc, ces autres pathologies ne sont pas nécessairement prises en charge non plus lorsqu'ils sont dans des établissements en psychiatrie, notamment que ce soit en oncologie ou autre, ce qui pose des problèmes d'inéquité, en fait, et d'inégalité, globalement, entre le secteur public et le secteur privé, entre des établissements qui vont être attachés à un CHU ou qui ne vont pas être attachés à un CHU. On a des vrais problèmes, et ça a un impact forcément sur la chaîne de développement et sur l'attractivité et sur la capacité à développer de nouvelles thérapies. L'autre chose sur laquelle auquel on s'intéresse, évidemment, c'est tout ce que sont les parcours et les retards qu'on observe, ça a été mentionné tout à l'heure, en termes de diagnostic, en termes de prise en charge, qui vont avoir un impact forcément sur le coût des pathologies derrière. Et ça, c'est une initiative qui a été menée dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé, le CSF, en fait. Une initiative qui a essayé de développer des approches, des nouvelles approches, sur le parcours, en fait, en utilisant l'IA pour essayer d'améliorer ce parcours. Donc, l'initiative s'appelle Impact. Elle a été développée dans le cadre du CSF. Elle associe un certain nombre d'industriels. Des académiques, des assureurs. Il y a eu cinq start-up qui ont été lauréates, qui ont été accompagnées. Et l'idée, c'était de les accompagner sur ce chemin de l'innovation, de faire une sorte d'accélérateur de l'innovation en santé mentale pour faire émerger des solutions innovantes sur le parcours en santé mentale. Donc ça s'est traduit par un accompagnement du mentoring sur les problématiques qu'elles pouvaient rencontrer, que ce soit au niveau de leur business model, au niveau de la collecte ou de l'analyse de données, les modalités d'études cliniques, les problématiques juridiques qu'elles pouvaient rencontrer et autres. Donc voilà, il y a eu des réunions hebdomadaires, il y a eu 50 mises en relation, et ces startups sont aujourd'hui accompagnées. Je crois qu'il y en a une que vous verrez cet après-midi et qui présentera. Ça, c'est la troisième chose qui a été faite. Et finalement, de ces différentes actions, une des dernières actions qu'on essaye de mettre en place avec tous ces constats et avec pour rassembler l'ensemble, c'est d'essayer de construire des propositions et de s'organiser et de voir comment est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qui pourrait être fait finalement pour améliorer la situation. Donc nous, on a identifié trois grands axes. Le premier, et je crois que c'était clair et ça a été présenté, c'est de soutenir la recherche. C'est un domaine sur lequel on a énormément besoin de connaissances et on a besoin, ça vient d'être présenté, d'explorer des nouvelles voies et des choses un peu différentes. Et donc, il est important que puissent être soutenues différentes voies de recherche et différentes approches. C'est un domaine sur lequel on a, en termes de recherche et de recherche clinique, on a besoin de renforcer l'attractivité de la recherche clinique. Il y a potentiellement un vivier important de recherche sur le territoire, mais on a probablement besoin de mieux favoriser cette recherche clinique, même s'il y a des choses qui sont mises en place, il faut que ça puisse être accentué. La deuxième chose, c'est que c'est un domaine sur lequel on a besoin que les innovations soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin et partout sur le territoire. Donc, probablement de travailler sur des méthodologies, des designs rénovés pour pouvoir faire de la démonstration de valeur des thérapies qui sont mises en place avec des choses qui peuvent être un peu différentes. Et quand j'entends que ça coince ce qui a été présenté tout à l'heure sur la stimulation intracérébrale,
C'est un peu dommage, en fait. Il faut qu'on puisse arriver à avoir de nouvelles méthodes d'évaluation. Et puis sur la partie, une fois que les évaluations sont faites, il faut qu'il puisse y avoir un accès en fait à ce qui est développé et aux thérapies qui sont développées. Et pour ce qui concerne le médicament, il faudrait que finalement la psychiatrie soit pas marginalisée par rapport aux autres pathologies et qu'elle puisse bénéficier, comme les autres disciplines, de ce qu'on appelle la liste en sus, qui permettrait finalement de donner un accès aux patients au traitement en psychiatrie et aux autres pathologies. Le troisième point, c'est probablement qu'il faudrait simplifier les parcours de soins, arriver à une détection plus précoce, permettre un accès plus rapide, et finalement promouvoir quelque part l'usage des données et de l'IA, même si ça ne fait pas tout, mais en tous les cas qu'il y ait un meilleur, d'utiliser ces données pour un meilleur accompagnement, un meilleur suivi, et éviter potentiellement soit des entrées par les urgences, soit des mauvais diagnostics. Et voilà. Et finalement, il y a eu pas mal de choses. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place. On a vu le PEPR qui a été mis en place cet été. Il y a un réseau FCRIN qui s'est constitué sur la partie psychose. Il y a eu 2-3 tiers lieux qui adressent des problématiques de santé mentale. Il y a un grand défi qu'on attend. Mais on est quand même face à une problématique de santé publique, puisque ça représente quand même 14% des dépenses de l'assurance maladie. C'est le premier poste de dépense. Et finalement, ça serait quand même pas mal que ce soit cette priorité de santé publique, qu'on puisse l'adresser concrètement. Et nous, on soutient l'idée que l'AIS pourrait s'emparer de la nouvelle agence de l'innovation en santé, pourrait s'emparer de cette problématique de la santé mentale, pouvoir en définir mieux les objectifs prioritaires et finalement coordonner l'ensemble parce qu'il y a un continuum, en fait, depuis la recherche jusqu'à ce qui est amené aux patients et pour faire en sorte que finalement les innovations, elles puissent trouver leur chemin et arriver jusqu'aux patients et donc voir le système dans sa globalité en donnant une vision avec des objectifs prioritaires, une vision stratégique, en faisant en sorte que les innovations suivent leur parcours, en simplifiant le chemin et en faisant qu'il y ait une inégalité d'accès pour tout le monde et pour tous ceux qui en ont besoin sur les thérapies qui sont développées. Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse tout à fait exacte de la situation et pour ces perspectives que vous nous offrez. On a le temps pour quelques questions avant qu'on puisse débattre de façon informelle autour d'un déjeuner. Est-ce que vous voulez, avant le déjeuner, poser à nos orateurs quelques questions ? Question tout au fond. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Nicolas Rameau, chercheur INSERM. Une question donc pour la directrice de l'innovation du LEM. Est-ce que le constat va être publié ou ça reste confidentiel ? Alors oui. L'idée, c'est qu'effectivement, on est en train de co-construire ces différentes propositions et on a bien l'intention, effectivement, de les porter, de les publier et de faire savoir ce qui vous a été présenté, en fait. Probablement au premier trimestre, enfin ou au début de l'année prochaine, en fait. Luc Zimmer, Lyon. Merci pour vos interventions qui sont très très motivantes, tant en termes physiopathologiques, pharmacologiques. Ma question, elle est plus générale et plus stratégique pour Monsieur Glashenhaus. Dans le cadre d'un développement d'un outil, d'un futur biomarqueur en psychiatrie, est-ce que, et dans votre démarche de création de start-up, est-ce que vous aurez aussi à terme le même objectif qu'une biopharma qui très souvent veut développer une molécule, notamment en psychiatrie, et ensuite faire la preuve de concept et se faire racheter ce portefeuille par un big pharma qui, lui seul, aura les moyens de mener la mise sur le marché, sauf cadre de maladie orpheline, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez cette même démarche avec, à terme, l'objectif d'être racheté par une pharma ou par pour développer votre modèle économique ? Alors, comme que je vous l'ai dit, je suis un chercheur essentiellement académique. Donc, nous avons un petit peu réfléchi à ça, bien sûr, avec mon collègue Raoul Belzo. Ce qu'on a envie de faire, surtout, c'est que ça marche. On a envie que ça marche pour les patients. On voudrait avoir un impact sur les patients, surtout.
Ensuite, cette start-up, bon, finalement, c'est pas important pour nous. On voudrait vraiment que ces biomarqueurs puissent vraiment arriver sur le marché rapidement, puissent être réutilisés en vie réelle et qu'il y ait un vrai bénéfice pour les patients. C'est ça essentiellement notre objectif. Ensuite, rachat par achat, ce n'est pas très grave pour nous. Merci beaucoup. Je vous suggère peut-être, pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger pendant la pause déjeuner, qu'on s'arrête là, qu'on remercie très fort les orateurs de ces deux tables rondes. C'était tout à fait illustratif à la fois de la force et de la dynamique française, mais aussi des points de blocage. Je crois qu'on a vraiment besoin, comme on l'a souligné, que tout le monde travaille ensemble pour qu'on puisse lever ces freins à l'innovation au service des patients, comme on vient de le rappeler à l'instant. Donc on vous souhaite un très bon déjeuner, des très bons échanges, et on se retrouve à 14h. Merci beaucoup. Merci. Donc les participants trouveront aux alentours de la BNF de quoi se restaurer rapidement. Et puis pour les intervenants, on se retrouve dans le foyer à côté.